Bonjour et bienvenue, on est reparti pour la survie du week-end sac de couchage. On le prend avec nous parce que... Alors, on n'a pas vraiment de besoin de le prendre avec nous. Mais bon, on sait jamais, on peut peut-être rester bloqué quelque part et tout ça. Donc, on va le prendre avec nous. Alors, je sais qu'on voit pas grand-chose... Tac. Très bien. Commence à faire jour. Commence à faire jour. Alors aujourd'hui, on doit. Ah, on peut changer l'ordre. Ouais. Aujourd'hui, on doit aller chasser. On doit aller chasser. Alors, on a dit qu'on passait en mode économe par rapport aux calories. Donc, on va perdre notre bonus si on passe en mode économe. Alors, faudrait d'abord peut-être voir si ça vaut le coup de vraiment. Passer en mode économe. On peut laisser la lampe pour le moment. De toute façon, il fait jour. C'est ça. Il faudrait bien qu'il fasse un peu jour là maintenant, par contre. Bon, pour le moment, ça va être notre camp ici. Même si honnêtement, je doute que ce soit le meilleur endroit. On est à 29-17. Après, on avait vu qu'il y avait des cerfs. La dernière fois, on avait vu qu'il y avait un cerf qui traînait pas très loin. Donc, ça veut dire qu'on peut... On peut manger. On a quoi 300, 600. Je suis en train de réfléchir si on perd le bonus bien nourri ou pas. C'est ça en fait que je suis en train de me demander. Est-ce que ça vaut le coup de le perdre ou pas? Je pense que ça peut aller. Je pense que ça peut aller. On va voir. Donc ouais, c'est peut-être pas le meilleur endroit en fait. Ici pour ce... Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va chasser. Ou alors on explore. Ah, peut-être la maison, il y a sûrement un lit et tout ça. Peut-être plus intéressant. Il fait un peu froid. Ça fait vachement loin quand même pour aller chasser. Hein. Je veux pas dire, mais ça fait quand même bien bien loin. Hein. Alors est-ce qu'on peut les contourner et les faire venir où on est? C'est peut-être un peu plus intéressant. C'est quoi ça là-bas? C'est aussi un truc? Ok. Non, par contre il fait quand même extrêmement froid. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4. Ok. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc il y a 4... 4 lamas. Voilà. Je sais pas. En ce moment, je... Ça doit être le stress et tout ça. Mon cerveau, des fois, m'envoie des mots. Alors que c'est des cerfs. Hein. Et du coup, je me dis... pourquoi pas embrasser cette folie. Donc ça, ce sont des lamas maintenant. Voilà. Mon cerveau a décidé que c'était des lamas. Donc il y a 4 lamas qui se traînent. Et on va aller les chasser. Alors déjà, je voudrais voir... Avant qu'on visite tout le reste... Je voudrais voir ce bâtiment là. Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas un meilleur bâtiment pour dormir et tout ça? Ok, on a des lapins, ça c'est bien. Est-ce qu'il fait chaud? Il fait chaud! Ah, oh, ça va être peut-être plus intéressant du coup pour nous. Ah ah! Ah, j'aime pas les aéroports. Enfin, j'aime pas les avions en général. Même si je l'ai pris beaucoup, beaucoup de fois au final. De prendre au moins une je sais pas, une bonne quinzaine de fois.
Mais cette année aussi je l'ai pris, 2022. C'était pas pour des bonnes choses. Enfin, ça s'est mal fini, on va dire. Bref, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. Tout ça pour dire que les aéroports, c'est pas mon kiff. Bon, on peut peut-être... peut-être dormir ici. Ok. Merde. Ou alors dans la tour de contrôle. Ok, on va... Ah, les portes se referment automatiquement. Ah, ça c'est chiant ça. Je suis pas trop fan de ça. Peut-être dans la tour de contrôle, à la limite. Fusée... Oh, bah ça y est, ça y est. On a... J'y pensais même plus, on a perdu le bonus. Pas grave. Comme j'ai dit, c'est pas très grave. Maintenant, on est arrivé sur... on est arrivé à l'endroit où on voulait. I'm so hungry. Ah, je suis pas très très fan de cet endroit. Il y a une caméra. Je suis pas extrêmement fan de l'endroit. On va peut-être regarder ouais, la tour de contrôle. Ce serait peut-être plus intéressant. Après, il fait chaud, donc ça c'est bien. C'est très bien. Bon, on peut partir. Est-ce qu'on a trouvé un endroit avec un atelier? Je crois pas, hein. Par contre, je voudrais récupérer l'autre lapin. Il est où? Voilà. Alors, excusez-moi, je suis encore un peu malade. J'ai le nez complètement pris. Mais bon, il faut que j'avance dans les épisodes. Alors... Restricted area. Ok, on a un sac de couchage, très bien. Ouh, de la nourriture, ok. Des conneries électriques, on s'en fout. Très bien. Pour le moment, on a que des trucs ouverts. C'est quoi ça? C'est rien. Ah bah ici... Y'a pas un lit, tissu... Ah là là, j'avoue qu'on est un peu lourd, on doit être à... Ouais, on a 40 kilos. Mais je voudrais en fait avoir un endroit où on peut se... Oh mon dieu, non, c'est super haut. Un endroit où on pourrait se poser... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit? Bah, je crois que... On a un loup là. Ah ouais, grogne, grogne, vas-y. Ah merde. Voilà. On est à 29, c'est bien. Ah, il essaye, hein. Il essaye, il est motivé, lui. Hein. Il est motivé. Il est motivé. On a une belle vue. Je pensais qu'on n'allait pas pouvoir voir, mais... Ah, tiens. On a... Lucky day. Pistolet de détresse. Alors, message. On se tire, on ne supporte plus les lumières. Quoi? On ne supporte plus les lumières? On n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit, on met les voiles. Ok. Ils font référence à quoi? Aux aurores boréales?
Ah, on peut monter? Merde, on peut pas. Ouais, enfin, c'est pas vraiment un très très bon endroit au final, parce qu'il n'y a pas de d'atelier, rien non plus. Oh là là. C'est la merde. Où est-ce qu'on peut se mettre? T'es où? T'es là, ok. Vas-y, ramène-toi. Eh oh! Ah, il a eu peur, ce con. On n'a pas des... On n'a vraiment pas des bons endroits, en fait. Des bons endroits. Là, il n'y a pas de... Pas de lit, pas d'atelier. Pas de lit, pas d'atelier. Dans les voitures. On va avoir là, dans le hangar. Après, on va un peu mieux fouiller, hein, parce que là, j'ai zappé beaucoup d'endroits. Alors, est-ce que à l'intérieur, il fait... Ah, du coup, il fait pas froid, il fait pas chaud. Atelier. En métal, non, caisse. Zéro atelier non plus. Bah merde alors. Bon, vous savez quoi? On va retourner là-bas parce que je l'ai pas fait à 100% cet endroit. Donc on va aller voir. Et en plus on a froid. Donc du coup, bah, ça serait là, le meilleur endroit. C'est un peu con. Alors, on n'a pas fait à 100% parce que c'est nuit. Fouiller les coutils. Putain, fouiller ça. Entrer dans l'avion. Okay. Okay, y a rien. Là. Ok. Ça, on l'avait fouillé. Des caisses. ouais, rien. Rien non plus. Ici, c'est bon, on avait fouillé. Là, on peut remonter. Ça fait beaucoup à fouiller. Hein. En fait, il faudrait tout mettre au même... Oh, d'accord. Il faudrait tout mettre au même endroit, c'est ça le bon problème. Mais là, au final... on serait dispersé un peu partout, donc ça m'embête. Il n'y a strictement rien là. Moteur. Accélérant. Ouais, bof. Rien non plus. Rien non plus. Derrière les palettes, il n'y a rien. Par contre, ça m'inquiète. On a zéro atelier. Là, je suis étonné. Il n'y a pas d'atelier ici. Je vais être étonné. Hein. Qu'est-ce que c'est lui? Il y a zéro atelier. C'est pas normal. Comment ça, il y a zéro atelier? J'ai dû le louper. La dernière fois, on n'avait pas trouvé d'atelier non plus, hein, on est d'accord. Oh, il y a un sous-sol. What? Wow, ok. Bon, bah, il nous faut la lampe. Il y a un sous-sol. Intéressant.
C'est assez intéressant de trouver des nouvelles choses en fait à fouiller. Genre par exemple là avec les casiers et tout ça. Ça c'est vraiment cool je trouve. Ça c'est vraiment sympa. Enfin, ça veut pas dire qu'on est chanceux hein, pour trouver des objets, mais, mais au moins c'est nouveau. Très bien. Donc il y a un sous-sol. Intéressant. Alors, je vais voir un peu. Ah, attends, est-ce que... Ok, il est déjà chargé. Voilà, très bien. On va se vider un peu les poches. Alors, en vêtements, on a des nouvelles choses qui sont intéressantes ou pas. Carreaux, pull en laine, on a déjà deux. Chemises, c'est pas intéressant. Bonnet, casquette, bonnet encore. Ah! Meilleure condition. Ok. Alors, on pose. Très bien, ça c'est tous les vêtements. Après, s'il y a un atelier en bas et qu'il faut aller en bas, non. J'ai envie de dire non, ça ira, parce que bon, s'il faut à chaque fois une lampe et tout... Attends, on a fait ici? Je crois pas qu'on ait fait ici, non. Ah, il faut vraiment être minutieux hein, dans les zones, en fait, dans lesquelles on fouille, parce qu'il y a beaucoup d'endroits... Il y a beaucoup de recoins. Cuir, ça c'est bien. Il nous faut du bois, il nous faut... Il faut qu'on aille chasser aussi. On n'est toujours pas allé chasser. Hein. Il nous faut de la... Là pour l'instant, j'ai des calories de côté, donc c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis, mais il faut y aller. Hein. On a fouillé ici. Mais on va devoir y aller. Oh mon dieu, il y a combien de salles? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de salles, mais niveau récompense, c'est pas trop ça. Hein. Oh, très bizarre, je pouvais boucher ma vue. Ouais, niveau récompense, c'est vraiment pas ça. Qu'est-ce que c'est? Wow. Il y a des choses mal codées. Il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à louper les choses. Okay. On est à 32, ça va. Ok. Descendons. Descendons. Voir un peu. Oh la vache. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Bienvenue. Allez, ouais, non, mais on va le lire à l'extérieur. Oh, ok. On a un atelier ici, ça marche. On le lira quand on sera en haut.
à la lumière. Faut me le rappeler. Alors ça, par exemple, c'est vraiment un atelier un peu pourri. Oh, il y a une forge. Ok. Voilà, là, ça devient un peu plus intéressant. Et là, il y a un lit. Ouais, mais d'accord, mais on voit rien ici. Attends. Ah ouais, non, mais d'accord. Ça, c'est en pleine journée. Je vais pas entasser mes trucs en pleine journée ici, comme ça. Enfin, que ce soit en pleine journée ou en pendant la nuit. Bon, par contre, il y a une forge. Ça, c'est bien, ça. C'est sympa. Oh là là. Faudrait couper cette table aussi, comme ça on peut avancer. Par contre, est-ce que je peux... En théorie, il fait jour, je peux utiliser l'établi. Hein. Je peux utiliser l'établi même si moi je vois rien techniquement. Je crois bien. Mais bon, c'est vraiment pas le meilleur endroit. Ouais, non, pour le moment, notre meilleure chance... Enfin, pas vraiment notre chance, mais... Notre meilleure chose à faire, ça serait de vivre là, pour le moment. Genre à au-dessus, et on utilise un sac de couchage. Comme ça va, on a pas mal de charbon. Et on utilise un sac de couchage. En parlant de ça, j'en ai deux. On va poser celui-là. Attendez. Voilà. Ça, ça. Ah oui, le problème, c'est le feu. Je peux pas faire de feu. Ouais, ça, le feu, on le fera à l'extérieur. Ça peut être un problème, le feu. Ouais, ça peut être un problème. Donc c'est le seul endroit où il y a un... C'est vraiment un endroit de merde. Hein. Je vais être honnête, c'est vraiment un endroit de merde. Vraiment pas content de ça. Vraiment pas content de ça. Vraiment pas content. Ah là là. Ah putain, ça a tout mis d'un coup. Ça c'est salaud, ça. Je pensais que ça allait mettre un truc. Enfin genre, parce qu'on avait deux petites bouteilles. Je pensais que ça allait en mettre une, puis l'autre. Mais en fait, non, ça a tout mis d'un coup. Ouais, non. Très... Ouais, pas content, pas content, pas content. Pas heureux de l'endroit, en fait. C'est un peu... Ça va être un peu la galère, en fait, de vivre ici. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. On va aller récupérer les lapins avec l'eau et tout ça. Qu'on a laissé là-bas. Aïe, 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 aïe. Pour faire le feu, pareil, on va avoir un problème. Quoi que faire le feu, on pourrait se mettre là, en fait. Là, ça serait protégé du vent de tous les côtés. Donc à la limite, ça va. Faut faire gaffe parce qu'il y avait un loup. Bon, ça on l'avait fouillé, on avait tout récupéré. Chasser les cerfs. Qu'est-ce qu'il y a à prendre ici? On avait tout fouillé ici ou on avait juste... Non, on avait juste regardé vite fait. Ah, je vois des allumettes.
J'ai aussi le truc à lire, le papier à lire. Être accroupi au cas où qu'il y ait un loup qui arrive. Enfin, attendez, on va faire ça. Voilà. Juste au cas où. Hein. Très bien. Ouh, bien. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Il y a juste le haut de la tour qu'on a fouillé. Enfin, de toute façon, il n'y avait rien à fouiller, vraiment. Ok, très bien. On va prendre tout ça. Non, ça, on l'avait fouillé. Il nous faudrait du tissu aussi. Alors là, on a du 0%, mais si je dis pas de bêtises, on peut quand même le manger quand on sera au niveau 5 de la cuisine, si je dis pas de bêtises. Il y a encore toutes les voitures à fouiller aussi, les hélicos, les avions. Faut qu'on aille chasser les... Il fait pas extrêmement froid, faut qu'on aille chasser les cerfs, genre maintenant. Comme ça. Ça c'est fait. On va sûrement souffrir un tout petit peu du froid, parce qu'il fait quand même assez froid pour qu'on passe dans le négatif. Mais il faut qu'on aille récupérer la viande, en fait. Genre assez vite. Qu'on soit pas pris au dépourvu, en fait. C'est ça, le truc. Ok, parfait. Après, ça. Ça, on va le garder. Ça aussi, on le garde. C'est très léger. Très bien. Ah, ça m'embête que le truc il soit en bas là. Oh là là, qu'est-ce que c'est con. L'atelier là. Oh là 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 là. Ah c'est... Ah. Ah ça m'énervait. Enfin je trouve... Genre la zone elle est pas facile à atteindre. Et on a un endroit de merde, en fait. Je suis impressionné. Bon, après, voilà, on a une forge. Mais bon. Ah, pardon. Oui, vas-y, c'est... Genre, on dirait un trou noir en dessous. Quand... Même en pleine journée. Donc, bon. C'est pas fun, quoi. C'est un trou noir, le machin, tellement que c'est sombre. L'absence de lumière. C'est le sous-sol, quoi. Le sous-sol, l'absence de lumière. Incroyable. Faudrait qu'on prenne aussi quelques pots pour
comment dire, réparer nos vêtements si on en a besoin. Alors, il va falloir que je fasse des tirs de loin, c'est un peu relou. Si j'essayais de les faire venir vers l'aéroport, ça serait bien qu'il y ait un loup pour m'aider en fait. Ce serait vraiment bien qu'il y ait un loup pour m'aider. Ah, ça serait beaucoup moins problématique. Je vais essayer de leur faire peur, les faire aller vers le tarmac. Comme ça, on va pouvoir se les faire plus facilement et ils seront plus proches de notre camp. Je regarde un peu ce qu'il y a là, mais pas l'air d'avoir grand chose. Il est où le con de loup là, qui nous a vu tout à l'heure? Là, il pourrait nous aider. On les fait venir vers le centre. Lui, il les attaque et nous, on tue le loup. Il y a l'air d'avoir des choses là-bas aussi. On verra ça. Ok, très bien. On va essayer de se faire celle-là. Eh oh le loup, t'es où? Tu veux pas m'aider à chasser? Ah tiens, vous croyez qu'elle m'avait pas vu parce que j'étais derrière l'arbre ou pas? Je sais pas si c'est possible ça. Ça sera intéressant ça tiens. Si c'est une mécanique. Parce que normalement je peux pas me... aller aussi proche. Ah le loup! Saloperie, jamais là qu'on a besoin de lui. Alors. Ok. Bon, là c'est pas mal. Par contre, j'ai froid. Ça, c'est un problème. Ah putain. Attendez, on va se réchauffer. Bouge pas. Okay. On va faire ça vite fait, juste pour pas qu'on grelotte quoi. Oh, il fait joli. T'es sérieux? Sans déconner? Putain. Ah. Ça pour rien. Tout ça pour rien, c'est bien. Ça fait plaisir. Ah. Plus j'ai l'impression qu'elle a disparu, qu'elle est... je sais pas où elle est allée, mais... bon, là par contre on a une belle vue. Hein. Ah, les cabanes là-bas, ok. Ouais, intéressant.
C'est un peu la merde à chasser. Parce que c'est vrai que... En fait, elles ont une belle vue sur nous, là. C'est chiant. Je vais voir un peu. Les dunes. Récupérer la flèche, enfin ça s'est pas inscrit. Oui, non, j'ai entendu le bruit que comme quoi j'ai récupéré la flèche, mais. Oui, oui, on a récupéré la flèche. Ok. C'est pas grave. On va se faire un peu violence. On va se faire un peu violence, mais... Mais au moins, c'est fait. Ouais. Par contre, là, on pourrait faire un feu... Je pense qu'on va en profiter, on va faire un feu... à l'extérieur. On va faire un feu... Dans le hangar là qu'on a vu. Comme ça on va pouvoir tout cuire et on va récupérer pas mal de temps parce que c'est à l'extérieur. Donc le feu il va durer bien longtemps. Par contre ouais, je voudrais bien qu'on ait un peu chaud. Voilà 7 kilos de viande. 7 kilos de viande c'est bien. On va récupérer tout le reste. Comme j'ai dit, il nous faut des boyaux et il nous faut des pots. Après, on pourrait faire un feu juste là aussi, mais du coup, c'est pas vraiment protégé. Ah, bah tiens, elle est là, elle. Ok. C'est pas vraiment protégé, donc ça m'embête un peu. Parce que c'est pas dangereux, en fait, de faire un feu juste à côté de l'enceinte, en fait. Je me demande si on devrait pas changer l'emplacement de tout notre bordel de l'autre côté aussi. Mais bon, pas grave. C'est pas très grave. Je vais voir un peu. 14, 2... ah oui, le charbon, on devrait peut-être le garder de côté, parce que si vraiment, à la limite, on veut utiliser la forge avant de partir. Ça m'étonnerait, hein, mais bon. Ça, on peut le faire cuire ou pas hein. Ça, on peut le faire cuire. Ça, non. Ça aussi, je peux le faire cuire, en théorie. Ouais, on est 43. Excusez-moi. Peut-être un peu abusé là. Oui, bon, du coup, on va faire un feu ici. J'ai pas envie de bouger. Là. Voilà. Je vois pas trop, à part le hangar là, je vois pas trop où faire un feu en fait. Mais bon, là on est loin de tout. Et on est un peu trop en poids là. On est un peu trop chargé. Donc on va faire juste un feu ici. De toute façon, c'est à la loupe, donc c'est pas comme si on perdait grand chose. Voilà, pas trop. Alors, 2 heures c'est quand même déjà beaucoup. Très bien. Alors, 45 minutes, c'est bon. On a chaud ou froid? Non, c'est bon, on a chaud. On va faire ça. Hop là.
Ah oui, les outils, merde. Les outils. Il y a ça aussi. Je crois que c'est que le couteau hein, pour ouvrir, mais bon, je sais plus. Tada, voilà, très bien. Ça nous fait de l'expérience supplémentaire. Et quand on sera niveau 5, normalement, on peut aussi manger les choses qui sont à 0%. Donc ça, c'est bien. 36 minutes. Est-ce qu'on a, on a combien de pierres à aiguiser? Une seule, hein, je crois. Donc on va faire attention. Ouais, on n'a qu'une seule. 26 minutes encore. Très bien. Ok. 15 minutes. Ah, le couteau il prend même pas 1% quand c'est genre moins de 10 minutes, j'ai remarqué. Ça doit être 0 quelque chose en fait. Vous voyez, il est toujours à 95%. Donc ça c'est bien. Il est vraiment cool ce couteau. Hein. Ah, et merde. Ah merde, j'avais oublié ça, putain, quel con. Quel débile, j'avais complètement oublié ça. Je me suis fait avoir. Ouais, non, ça sert à rien. Et voilà. J'ai pas voulu courir et puis, enfin, aller de l'autre côté. J'ai pas voulu aller me mettre à l'abri, et puis voilà, c'est ce qui se passe. Ça. Ah putain, je suis con, j'ai laissé le truc brûler là. Vraiment débile quoi. Ça fait de l'expérience en moi, tout simplement. C'est chiant. On va finir le feu. Je vais juste finir les pots là pour les mettre par terre. Comme ça elles sécheront déjà. Il y a encore une peau à récupérer du... Ça c'est bien. Il y a encore une peau de cerf à aller récupérer. Là, on a chaud, c'est bien. Ah ! Chier. Mauvais temps. On n'a plus le jour, donc on peut utiliser la loupe. C'est quoi ça? Ah putain, c'est des câbles. Je me suis dit, tiens, on dirait un loup. Ça fait un peu peur, dis-moi. Ah, ok, on va protéger du vent. Mais... Ah, je crois. Ah oui, là il faut fouiller aussi, on n'a pas fouillé. Bon, si je... Là on est bon là, pour faire un feu, on est d'accord. Quoi ce que j'entends? C'est le loup qui rôde? Non, y'a rien. Par contre, c'est pas, des fois, c'est pas très clair si on est protégé du vent ou pas.
Là on est protégé. Genre là en plein milieu je suis pas protégé à côté de l'hélicoptère. Je le fais où dans le feu? On va le faire là. Ah, je sais pas où mettre mon feu en fait. Ah, ça va m'énerver ça. Que je sais pas ce que considère. En fait, ce que considère le jeu, ce qu'il considère protégé du vent ou pas. Maintenant, il n'y a plus de vent donc on pourra pas savoir, mais. Ah, c'est chiant quoi. C'est pas grave, on a des allumettes. C'est pas grave. Ah, mais j'ai un accélérateur. Attends, je peux pas faire de feu ici. Ah, oh, je peux pas faire de feu ici. Merde. Ah là là, tu m'embêtes. Ah, faut que ça soit sur la neige. Ah, tu m'embêtes. Sans déconner. Ah là, tu m'embêtes là, Baron. Là, tu m'embêtes le jeu. J'ai pas remarqué aucun. J'ai remarqué aucun endroit qui pourrait être tranquille en fait pour faire un feu. Genre protégé de tous les côtés et tout ça. Genre un intérieur avec un endroit pour faire du feu. J'ai pas trouvé ça par contre. Ça m'embête. Bon, on va recommencer. Accélérant. Ok. Perfect. C'est reparti. Alors ça, on laisse ça là. Moins deux, ça devrait être bon. Ok, on est positif, c'est bon. Car on a encore tout ça à cuire. 40 minutes. Aïe 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 aïe. J'ai plus rien à crafter. J'ai plus rien à faire en fait. Pas faire perdre du temps. Ouais, pour l'instant, comme j'ai dit, hein, je suis pas très très vendu par la qualité de la zone. Je la trouve un peu bof pour le moment. Il y a encore plein d'endroits à visiter, hein, je suis d'accord, mais pour le moment, c'est pas vraiment mon kiff. 32 minutes. Ouais, c'est vraiment pas mon endroit favori. À l'intérieur, j'ai vraiment pas loupé un endroit pour faire du feu ou je sais pas quoi. Y a rien, on est d'accord. Ah, y a rien. 24 minutes pour 4 tissus, sympa. 5 pour 30, intéressant, intéressant. Ça c'est des choses qu'on n'avait pas avant. C'était toujours genre 2, 3 maximum, je crois. Je crois bien, de tissus. On a un peu plus. Ok, très bien. Très très bien. 1h, 45 minutes, ok. On va aller fouiller le bâtiment là. On a 45 minutes. Le lendemain, la prochaine fois, il faudra aller récupérer donc la peau du cerf. Ce serait bien. Rien du tout.
il y a beaucoup de bois. Alors, fouillons tout cet endroit. Ok, sympa. Un truc que j'aurais bien voulu voir, c'est ça serait pour faire des munitions. Je sais pas comment ça s'appelle, comment il l'appelle dans le jeu. Un atelier exprès en fait pour les munitions, comme ça on peut faire des bombes avec les... comment ça s'appelle? Les... ah vous savez? Les cannes. Merde. Les conserves, les conserves. Ça, ça pourrait être cool. Ouais, bon bah y a pas grand chose. Pas grand chose du tout. Ouais, par contre j'ai perdu énormément de vie. On va devoir rester un peu en positif là et rassasié. Ouais, rassasié là parce que là on a perdu trop de vie entre le froid, le manque de nourriture et tout ça, c'est un peu emmerdant. 18 minutes. On a récupéré quoi? Ouais. Il n'y a que des trucs comme ça. On va les déposer. Bah du coup ça va être la fin de notre épisode. Bah en fait on n'a pas fait grand chose, hein, j'ai envie de dire. Vraiment pas fait grand chose. J'aurais bien voulu que ça se passe un peu mieux, mais. Il paraît aussi qu'ici on devrait avoir des aurores boréales un peu spéciales ou des nouvelles choses, mais pour l'instant il n'y a strictement rien. Ça, t'es joué quasiment rien. Honnêtement, j'aime pas trop l'endroit, surtout parce que même en pleine journée, la plupart du temps, quand on a des endroits qu'on peut plus ou moins voir et se débrouiller. Mais honnêtement, là, c'est pas très fun pour moi parce que je vois rien, mais c'est pas fun du tout pour vous parce que vous devez encore voir moins que moi, quoi. Donc ouais, c'est pas le top. C'est vraiment pas le top. Ça fait pas vraiment des vidéos de qualité dans un sens. Ah, vous aimez les écrans noirs? Allez à l'aéroport. Ça, ok, 29,49, très bien. La prochaine fois, il faut encore chasser. Comme ça, on est tranquille. Hein. Comme ça, on va pas se stresser, rien. Une minute, très bien. J'avais dit qu'on voulait... manger un peu. Ouais. Très bien. Un truc qu'on peut faire, c'est avant de dormir, boire une tisane, comme ça on récupère un peu plus de vie. Et on reste dans le positif. Un peu plus longtemps. 41 minutes. C'est 9 minutes. 30, 30 minutes. Ok, très bien. Ah, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, réparer. Non. Ça, on réparera les deux choses qu'on a là quand les peaux seront sèches. Donc c'est bien. Tout ce qui est de serre, tout ce qui est serre pour le moment, on n'a pas besoin. On avait abattu des loups ici. Non, on n'a pas abattu des loups hein, ici. On a... Sur le chemin, oui, mais pas ici même. Très bien, 10 minutes. Hop. Strictement rien.
Est-ce qu'on casse des... On casserait pas des palettes. Pas mal. Très bien. De l'eau. On n'a pas de faitout aussi. Pas trouvé de faitout. De toute façon, j'allais pas en prendre sur moi. C'est très très lourd. C'est très très lourd pour pas grand chose. Mais c'est vrai qu'après, quand on est sur des endroits où on reste, c'est bien d'avoir des faitouts pour faire de l'eau. Mais là, strictement rien. Toi, on va te manger. Ok. 3, 4, 5. 5 à 960, c'est très bien. 2 à 540, c'est très bien. On voit strictement rien, c'est cool. Après, ça doit être joli, je pense, quand il y a une aurore boréale, parce que tout doit s'allumer. Mais on a encore besoin de fouiller. On a encore pas mal de lieux à fouiller. Mais ouais, je suis un peu déçu pour le moment. On n'a qu'à faire l'autre. Ah ouais, il fait super froid. Putain, il fait combien? Ah, moins 13. Ah, ici, c'est pas vraiment un endroit sympa. Hein. J'avoue. J'avoue que c'est pas top. Ok. On a encore 38 minutes. Voilà. Bon bah c'est très bien. Ça nous fait un bon épisode, mais il s'est pas passé grand chose, j'avoue. Regardez-moi ce bordel. Un peu un bordel quand même. Mais bon, au moins on sait où on a un atelier et tout. C'est bien, c'est bien. On sait où sont les choses. Pas vraiment le meilleur dérangement, mais c'est pas vraiment un endroit qui va m'intéresser honnêtement. Donc bon, on verra ça. On va se mettre là. On va boire donc tisane, je crois. Ouais, ouais, on va boire une tisane. Ça va pour nous remettre plus de vie en fait quand on va dormir. Donc on va dormir le plus longtemps possible et on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous plaît. Repos amélioré, ceci vous aidera à mieux vous reposer. Votre état s'améliore plus vite à chaque heure de sommeil. Donc voilà, c'est 6 heures. Un bonus de 6 heures. Nous, on va dormir le plus longtemps possible. 12 heures. À la prochaine, ciao!